Un score vierge côté lyonnais. Pourtant, lors du match contre Nice perdu 1-0, les filets de la cage de Walter Benitez sont bel et bien tremblés. À deux reprises, à la 15e et à la 17e, les hommes de Bruno Genesio ont frappé et marqué. Mais leurs buts ont été refusés, leur jeu ayant été sifflé. Des occasions plus que franches, preuve de l'implication offensive lyonnaise. Mais jamais concrétisé. L'OL a fait preuve de maladresse. On n'a pas été efficace. On doit être plus pur et plus efficace devant le but, estime Anthony Lopp en zone mix. Ce soir, c'était un peu le copier-coller du match aller, déjà perdu 1-0. On a eu beaucoup de malchance, beaucoup d'occasions que l'on n'arrive pas à concrétiser. On a lâché des points, ça reste un résultat négatif. On est très, très déçus. Une déception pour ceux qui étaient les premiers à battre le PSG le week-end dernier. On prend 0 points contre une équipe qui s'est créée 3 fois moins d'occasions que nous. Il n'y a pas grand-chose à retenir sur le contenu, pointe l'entraîneur de l'OL Bruno Genesio. Il faut savoir être plus efficace et concrétiser les temps forts quand on en a. Dans le contenu, je n'ai rien à reprocher aux joueurs. Même si on est très, très déçu, cela montre que l'équipe progresse. Au total cette saison, Lyon aura perdu 6 points face à Nice. Des points qui pourront être décisifs au fur et à mesure que le championnat avance. Ce sera serré jusqu'au bout, anticipe déjà Anthony Lopp. Ce sera à celui qui sera le mieux physiquement et psychologiquement. À nous de sortir du lot et d'être présents.